Tu peux t'asseoir dans la grâce de Dieu, dans la grâce du Saint-Esprit. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Amen. Je te le dis encore, tu es au bon endroit. Amen. Apocalypse chapitre 22. Je vais lire les deux premiers versets. Amen. Apocalypse chapitre 22. Et il me montra, Jean, dans le livre, pendant qu'il était dans l'île de Patmos, quand le Seigneur Jésus-Christ lui montrait ce que le Père a demandé qu'il lui montre. C'est un mystère. Dieu montre à Dieu ce qu'il doit montrer. Amen. Amen. C'est un mystère. Il va tout nous expliquer le moment venu. Et il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal. Tu entres souvent dans les supermarchés, tu vois souvent les eaux alignées comme ça. Parfois, tu vois que l'eau aussi est tellement pure. Mais non, elle n'est pas aussi pure que ce que tu verras le moment venu. Il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. 12 fois. Et chaque mois, il rend son fruit et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Amen. Sur la place, Dieu le fait voir, la ville, le trône de Dieu. Et il voit sur la place, au milieu. Nous savons tous que la place est le centre. Ici en France, quand vous voyez la poste, vous voyez la mairie. Vous voyez parfois aussi à l'époque une église. C'était ça la place en France. Quand on voulait savoir où était le centre-ville à l'époque, on cherche seulement les trois éléments là. La mairie. L'église et la poste. Donc, sur la place du royaume des cieux, il n'y a pas ces choses-là. Il n'y aura plus ça. Amen. Il y aura l'arbre de vie. C'est ça qui va nous indiquer que c'est sur la place, au milieu. Et cet arbre de vie produit 12 fois son fruit. 12 fois. Et chaque mois, il produit son fruit. Et le feuillage servait à la guérison des nations. Jésus-Christ, notre arbre de vie. Amen. Jésus-Christ, notre arbre de vie. Est-ce que tu peux dire avec moi? Jésus-Christ, notre arbre de vie. Encore. Jésus-Christ, notre arbre de vie. Une dernière fois. Jésus-Christ, notre arbre de vie. Mais le mettant aussi arbre de vie, ça veut dire qu'il y a des arbres qui ne donnent pas la vie. Quand on dit arbre de vie, ça veut dire qu'il y a l'arbre qui ne donne pas la vie. Ça veut dire qu'il y a aussi les arbres même qui peuvent produire la mort. Aujourd'hui, un arbre doit pousser dans ton esprit. Amen. Aujourd'hui, l'arbre qui avait déjà commencé doit encore pousser. Aujourd'hui, le Christ devient l'arbre qui pousse en toi. Amen. Jésus-Christ, notre arbre de vie. Amen. Amen. Nous allons aller lire dans le livre de Genèse, le chapitre 2. Amen. Amen. Le chapitre 2 pour comprendre un peu les espèces d'arbres. Gloire à Jésus. Amen. Verset 9. Je commence au verset 8.
Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur a planté un jardin, il plante le jardin. En Éden, c'était un lieu géographique, Éden. En Éden, il plante. Et on dit du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Il a appelé Adam, il a dit ok, il le met là. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Voilà. Des arbres de toute espèce. Jésus-Christ, notre arbre de vie. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Bien-aimé, je m'arrête là. Quand tu marches là, quand tu vois les arbres, ce n'est pas beau à voir. Si tu marches, il n'y a pas d'arbre. C'est bizarre, bizarre. C'est comme si c'est une maison sans décoration. Mais quand tu vois les arbres, comme là, quand tu jettes un coup d'œil dehors là, tu vois les arbres, tu as un sentiment d'apaisement. C'est quelque chose d'agréable. C'est beau, c'est confortable pour la vue. Amen. Le Seigneur a donc créé les arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Je ne connais pas trop, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui n'aime pas les fruits, qui n'aime pas manger les produits, qui n'aime pas les fruits, qui n'aime pas du tout les fruits. Tu peux ne pas aimer tel fruit, mais tu aimes, tu préfères l'autre fruit. Toujours en est-il qu'il y a toute espèce de fruits. Et nous les hommes, nous les humains, nous aimons les fruits. Amen. Et le Seigneur a donc créé tout ce qui est agréable comme arbre et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie ne peut pas être à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Sa place est où? Au milieu. Au milieu. Au centre. À l'endroit même. Pour montrer qu'il se distingue de tous les autres arbres. Jésus ne peut être confondu. Jésus ne peut être devant ni derrière. Il est au centre. Et tous les autres arbres doivent l'entourer. Amen. Amen, amen. L'arbre de vie était dans le centre du jardin. Mais on nous dit aussi qu'il y avait un autre arbre. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh Seigneur. Le Seigneur plante toute espèce d'arbre. Mais il plante aussi l'arbre de vie au milieu. Et pas très loin. Sinon, quelque part, il plante aussi quelque chose. La connaissance du bien et du mal. J'ai envie de lire aussi Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, voici, avant d'y arriver, permettez-moi de vous dire que quand l'arbre a été planté pour que l'homme vive. L'arbre de la vie, c'était pour que l'homme vive. Mais pour ne pas relire toute l'histoire, nous savons que le serpent ancien, le rusé, le malhonnête, le menteur, le flatteur, le séduiseur et toutes les qualités méchantes sont en lui. Il est venu, il a regardé, il a dit non, l'homme là, il est unique, mais il est divisé. Parce que les deux forment une seule personne par le lien sacré. Mais je vais toucher là où c'est faible. Il est arrivé là où c'est faible. Ève, Dieu a-t-il dit? Est-ce que réellement Dieu l'a dit? Mais Dieu sait que si tu... Mais Dieu le sait, oui, mais ce n'était pas une nouveauté. Dieu a mis là, il a dit ne mangez pas. Parce que le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Amen. Mais Ève et Adam, qui étaient une seule personne, Ève a touché. Elle a vu que c'était agréable, elle a vu les yeux. Mais ce n'est pas tout ce que nous voyons qui est bon. Les païens disent que ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Ce n'est pas ce que tu vois. Parce que le Seigneur, lui, il ne juge pas aux œuvres. Il juge au cœur. Et les païens disent qu'on est, le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez par leur fruit. Le païen dit aussi qu'on reconnaît le bon maçon au pied du mur. C'est dans les actes du quotidien. Ce n'est pas dans l'apparence. Ce n'est pas dans ce que je vois. Donnant l'impression de piété, mais reniant celui qui en fait le fondement, qui en fait l'objet. C'est pour ça que Ève
qui allait par les yeux, a vu que l'arbre était agréable et bon. Et elle a coupé. Et elle a mangé. Au même instant, ses yeux se sont ouverts. C'est-à-dire que l'innocence est partie. L'innocence de l'enfant. L'enfant, quand il est innocent, il se déshabille devant tout le monde. Il court devant tout le monde. Pour lui, il n'y a pas de problème. Mais toi, quand tu deviens adulte, tu vois qu'il y a un problème. Parce que tes yeux sont ouverts. Le péché originel est là. Mais normalement, Adam et Ève n'étaient pas vêtus. Et ils ne le savaient pas. Et ils n'en avaient pas conscience. Mais Ève, ses yeux sont ouverts avant Adam. Parce qu'elle a péché avant. Ses yeux se sont ouverts avant. Mais alors, parfois la femme a une longueur d'avance. Elle peut discerner avant l'homme. Parfois la femme te dit que ce que je vois là, fais attention. Toi, comme tu n'as pas ouvert les yeux avant la femme, tu es ancien. La femme peut te dire ce que je vois là, fais attention. Parce qu'elle a ouvert les connaissances du bien et du mal avant l'homme. Vérité. Ça, c'est spirituel. Et on dit que non, les femmes, elles ont le troisième, le sixième sens. Non, ce n'est pas le sixième sens. C'est qu'elle a eu la connaissance du bien et du mal avant l'homme. Et donc, quand elle a fait donc, elle a dit à son mari que moi j'ai mangé, mange aussi. Comme c'est une seule personne, le mari ne pouvait pas résister. C'est le mystère que Dieu a mis entre l'homme et la femme. Bien aimé, ça ne doit pas exister. En Christ là, nous on refuse ça. Si moi je suis en Jésus et que ma femme ne veut pas être en Jésus, je refuse de la suivre. Je veux rester en Jésus. Amen. Amen. Si moi je suis en Jésus et que mon mari refuse, ce n'est pas le lien fort de l'amour qui va m'amener à pécher aussi, à refuser Jésus. Je rejette ça au nom de Jésus. Amen. Mais Jésus n'était pas encore mort. C'est pour ça que Adam est tombé dans ce piège. Jésus n'avait pas encore séparé, écrasé la tête du serpent fuyard. Alors Adam a mangé de ce fruit, ses yeux aussi se sont ouverts. Et les deux se sont rendus compte qu'il y avait une différence. Mais moi je suis comme ça, mais toi tu es comme ça. Mais c'est pas bien qu'on soit comme ça. Comment vous êtes seulement deux dans la maison et vous vous cachez? Vous ne devez pas vous cacher? Alors comme le Seigneur leur rendait visite au soir, ils ont entendu la voix du Seigneur rapidement. Un enfant ne sait pas quand il fait bien, quand il fait mal, un enfant d'un an, deux. C'est quand il commence à grandir, comment il dit que non, ça c'est bon, c'est l'éducation que les parents lui donnent. Ne touche pas, ne fais pas, ne fais plus. Il commence à enregistrer les interdits. Mais depuis, s'il n'enregistrait pas les interdits, il ne saurait rien. C'est un enfant de 6 mois n'a pas encore tout enregistré. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. Et quand ils ont entendu la voix du Seigneur Jésus, le Dieu véritable, ils se sont cachés. Mais vous êtes où? On est caché. Mais pourquoi vous êtes caché? Mais parce qu'on est nu. Mais comment vous savez que vous êtes nu? La connaissance du bien et du mal. Il aurait mieux fallu pour nous rester dans l'innocence, sans connaître le mal, sans connaître le bien et le mal, mais avoir les yeux fermés dans ces choses-là. Parce que le plan de Dieu pour nous était que nous vivions comme ça, heureux, épanouis. Mais le fruit du bien et du mal a été consommé. L'arbre de la connaissance. Quel est l'arbre qui est planté dans ta vie? Est-ce que c'est l'arbre de vie? Depuis que tu as accepté Jésus-Christ, depuis que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, est-ce qu'il y a l'arbre de vie qui est en train de grandir au fur et à mesure? Parce que quand l'arbre de vie arrive, il renverse l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et au chapitre 3, le verset 22, et l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme nous, comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer la main et prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Empêchons-le désormais, puisqu'il connaît le bien et le mal, qu'il continue de manger l'arbre de vie et qu'il vive éternellement. Cela nous fait comprendre que l'arbre de vie était destiné à la vie éternelle. Amen. C'était ça le plan de Dieu. Que tu vives éternellement, que tu ne connaisses pas la mort. Puisque tu as donc désobéi,
Puisque tu as mangé ce qui est bon et ce qui est mauvais, alors tu ne peux plus manger l'arbre de vie. Voilà. Les deux arbres qui étaient là, mis devant nous. Bien aimé, l'arbre de vie nous apporte la vie. Proverbe chapitre 3. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Proverbe au chapitre 3, verset 13? Proverbe au chapitre 3, verset 13. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 3. Proverbe chapitre 3. Le verset 13. Le verset 13. Amen. Amen. Le verset 13 au verset 20. Amen. D'accord. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a raffermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais revenir là-dessus. Tu peux t'asseoir. Amen. Que le Seigneur te bénisse. L'homme ayant perdu l'héritage que tu avais pour lui en premier lieu, le Seigneur Jésus est venu comme second Adam, afin que nous rentrions encore auprès de cet arbre-là. Mais laisse-moi te dire que quand nous avons péché, nos premiers parents ont péché, le Seigneur les a chassés du jardin. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a mis deux chérubins à l'entrée. On n'a pas continué la lecture. Et ils agitaient l'épée flamboyante. Adam avait été chassé pour qu'il n'ait plus accès à l'arbre de vie, pour qu'il ne vive plus éternellement. Mais la Bible dit que comme le premier Adam a échoué, le second Adam est venu pour que nous soyons dans la victoire. Mais le second Adam, qui est Jésus-Christ, a tout accompli et est devenu un arbre. Et cet arbre-là, il nous dit, dans le livre, il dit, la sagesse crie dans les rues. Nous sommes plutôt au verset 13. Plutôt au verset 13, je vais revenir dessus. Proverbe 3, 13. Amen. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Oh, la Bible me dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Heureux l'homme qui possède l'intelligence. Je veux sauter pour aller au verset 18. La sagesse, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Heureux l'homme qui a trouvé Jésus-Christ. Heureux l'homme qui a trouvé le chemin, la voie étroite et resserrée. Heureux l'homme qui n'est pas allé vers la voie large et spacieuse. Heureux l'homme qui a préféré chercher le Christ dans la voie étroite et resserrée. C'est-à-dire la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Et cette crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse, on nous dit au verset 18, elle est un arbre pour la vie de ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. La crainte de Dieu, on la rapproche à la sagesse. C'est pour ça que l'Europe est tellement développée. Mais quand vous allez en Afrique,
Les sages se réunissent où? Sous l'arbre. Amen. Nous allons y revenir. Amen. On dit que heureux celui qui a retrouvé cette sagesse-là. On nous dit également que c'est l'intelligence. Au verset 19. C'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Or, la Bible me dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la Bible me dit aussi que Jésus a créé toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Si tout a été créé par Jésus et pour Jésus, on me dit, c'est pas la sagesse que Dieu a fondé la terre. Tu dois comprendre quoi? Que c'est par Jésus que Dieu a fondé la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Un peu de mathématiques philosophiques. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Et ils ont dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par Jésus-Christ que Dieu a fondé la terre. Heureux est celui qui a trouvé la sagesse. Heureux est celui qui a trouvé Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La sagesse, c'est qui? Jésus. La sagesse, c'est qui? Jésus. Gloire à Jésus. C'est par sa science que l'abîme, que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Amen. La sagesse. L'arbre symbolise la vie. La vie éternelle. La vie en Jésus. L'arbre symbolise la sagesse. Genèse chapitre 18. Allons voir dans Genèse chapitre 18. Maintenant, nous allons décortiquer les autres choses que l'arbre symbolise. Il y a beaucoup de symboles, nous n'allons pas tous les citer. Amen. Maintenant, je vais courir. Il faut me suivre dans ma course. Amen. Un jour, j'ai vu une sœur, elle courait pour attraper le train. Je lui ai dit, la sainte doctrine court. Mais on va courir. Amen. Elle a beaucoup rigolé, elle s'en souvient encore. Amen, amen. Genèse chapitre 18. L'arbre de vie, Jésus, notre arbre de vie. C'est une histoire autour d'un arbre. L'histoire s'est passée autour d'un arbre. Et nous allons lire cette histoire-là. Je vais lire rapidement. Genèse au chapitre 18. Amen. Gloire à Jésus. Je vais remonter au verset premier. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Amen. On parle ici d'Abraham. Car l'Éternel a apparu à Abraham. Les chênes de Mamré, c'est un arbre, n'est-ce pas? Ça symbolise aussi l'apparition. Amen. Dieu apparaît à Abraham au milieu des chênes de Mamré. Les chênes, vous connaissez tous les chênes? C'était dans Mamré. Les chaînes de Mamré, c'est là où Dieu a choisi d'apparaître. Commence à voir un peu les symboliques de l'arbre. Amen. Comme il était, Abraham, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Puis, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna par terre. Se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on vous apporte de l'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Amen. L'arbre, c'est aussi le lieu de repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai Jésus-Christ, notre arbre de repos. Amen. Je suis tellement allé vers le marabout. J'ai tellement dépensé. J'ai fini tout mon argent. J'avais encore. J'ai vu tous les médecins du monde. Pendant des dizaines d'années, j'avais encore la perte de sang. Je me suis appauvri, mais ma situation continuait. Je suis allé sous l'arbre de paix. Je suis allé me chercher le repos. Reposez-vous sous cet arbre. Église de Jésus, Papa Marc, repose-toi sur Jésus. Amen. Repose-toi sur Jésus. Sois en paix. Verset 5. On nous dit, reposez-vous sous cet arbre.
J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre chemin. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, les trois hommes répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Amen. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec un veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre. C'est aussi le symbole de la rencontre. Abraham se tint avec eux. Jésus était parmi les trois. Et il se tint avec eux sous l'arbre et ils mangèrent. Le symbole du partage, le symbole de l'agapé, l'arbre de vie. Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne la grâce de partager ensemble, de manger ensemble. Il y a encore quelques années, Frère David, tu ne rêvais pas de te connaître. Tu ne rêvais pas de connaître la grâce, la bonté, l'amour du Seigneur qui est dans le Frère David. Que le Seigneur te bénisse. Je ne te connaissais pas. Mais l'arbre de vie qui nous rassemble pour qu'on partage, il nous a tous rassemblés sous l'arbre. Ils mangeaient ensemble. Ils communiaient ensemble. Alors ils dirent, où est Sarah? Ta femme. Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée, et les femmes, elles écoutent toujours. Hein. Quand les hommes causent, même s'ils sont à des milliers de kilomètres, ils écoutent toujours. J'ai remarqué que ma femme, je veux cette parenthèse. Comme les chambres sont en haut, moi je reste le plus souvent en bas quand j'échange avec les frères ou bien quand je cause avec la famille, ou même quand je suis tout seul. Mais j'ai remarqué que quand elle est dans la chambre, elle ne ferme jamais la porte. Elle est sur la porte un peu ouverte. Parce qu'elle veut écouter tout ce que je dis en bas. Et moi, comme je sais bien ça, quand je cause avec les frères et soeurs, je monte d'abord et je tire la porte. Je fais toujours comme ça. Amen. Donc c'est une habitude qui vient même de Sarah, hein, de notre humain spirituel. Amen. Amen, amen. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Elle était là, elle écoutait. Elle n'est jamais loin là. Notre bien-aimé épouse. Amen. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même et dit, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Est-ce que Sarah était avec eux? Le Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Ne doute pas. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Mais il te sera fait selon ta foi. C'est pour ça que tous les jours de ta vie, il faut tenir la branche d'un mentier. Parce que le Seigneur a dit que à Jérémie, que vois-tu? Je vois une branche d'un mentier qui tu as bien vu. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Moi, quand j'ai lu ce passage, maintenant, je dis au Seigneur, je tiens la branche d'amandier. Toi qui veilles sur ta parole, voici la branche d'amandier que je tiens. Il faut que tu l'accomplisses. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit, mais pourquoi Sarah rit? Or, Luc chapitre 1, verset 35 nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que le Seigneur lui dit encore, verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien? Quand l'ancien Jean-Baptiste m'appelle hier, on finit de causer. Même pas 10 minutes après, il m'envoie encore un message. Je lis le message, il me rappelle, il me dit, frère, dès qu'on a fini de causer là, je n'arrive même plus à marcher. Je tiens les murs pour marcher. Ça ne va plus. Mais tout à l'heure, je marchais, j'ai fait ma marche quotidienne. Ça ne va plus. Ma femme est allée chercher la béquille. C'est quoi ça? Est-ce que c'est mon appel maintenant qui a donné? Il dit non. Il dit non. C'était tellement fort que je me suis aussi baptisé avec la sœur Lydie. Je suis tombé. Moi aussi, je suis tombé ce jour-là. C'était hier.
Et dont le frère, je n'arrive plus à marcher, j'ai mal aux pieds. Mais notre Dieu, qui est le Dieu qui fait les choses grandes, nous l'avons encore vu ici à la veille de délivrance, que notre Dieu est vivant et il est puissant. Il te sera fait selon ta foi. Nous avons prié. Et moi, je savais. C'est comme ma porte. Vendredi, quand on venait, la porte était fermée. La sœur me dit, mais fais, la porte de la cuisine est fermée. On va faire comme elle dit qu'elle t'a fait, parce que c'est là où on qu'on va arriver. Et quand nous sommes arrivés, elle te dit, qu'est-ce que tu as vu? Voilà ce à quoi le Seigneur appelle son église. La foi. 2025, maintenant, c'est la réalisation dans cette église. Amen. Je le proclame au nom de Jésus. Amen. L'église ne doit plus être une église morte. Les promesses de l'Éternel doivent s'accomplir. Amen. Je veux que quand tu imposes les mains sur un malade, tu guérisses instantanément. Amen. Je veux que quand tu prends l'autorité sur un démon qui sort et qui part. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Acclamons pour le Seigneur, pour la vie d'Isaac. Mais Sarah, qui est aussi la fille d'Éden. Comment? Amen, amen. Sarah, qui est aussi la fille de Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a menti. Nous aimons beaucoup nos soeurs, nos mamans. Amen, amen. On va sauter cette partie, on ne fait pas le commentaire. Mais elle a menti. La fille de Ève, elle a menti. Je n'ai pas ri. Mais elle va contester avec Dieu. Car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux. Pour les accompagner. Quand il se lève pour partir, Abraham, il se lève sous l'arbre, l'accompagnement. Car je serai avec vous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde, Abraham s'est levé sous l'arbre avec eux pour les accompagner. L'accompagnement. Jésus a dit, je serai avec vous. Je serai avec toi. Je suis avec toi tous les jours. Ne crains point. Amen. Ne crains point. L'Éternel dit, verset 18, verset 17. Alors l'Éternel dit au verset 17, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? La révélation. Car le Seigneur révèle à ses prophètes tout ce qu'il va faire. Le Seigneur révèle le secret à ses prophètes. Je prie pour la vie du frère Daniel, que ce soit le prophète que le Seigneur établit parmi nous. Amen. Je prie pour ta vie au nom de Jésus. Parce que notre communauté doit avoir un ministère de prophète. Je prie le Seigneur qui a révélé le nom du frère Daniel. Je prie que l'onction de Daniel descende sur toi. Amen. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Nous voyons que sous l'arbre aussi, il y a la révélation. Le Seigneur ne va pas cacher. Abraham deviendra certainement une grande nation. Grande et puissante. C'est pour ça que nous allons le voir tout à l'heure, que l'arbre symbolise aussi la grandeur et la puissance, le rêve de Nebuchadnezzar. Mais la grandeur et la puissance donnent aussi référence à un autre arbre, qui est un mauvais arbre, c'est l'orgueil. Amen. Mais je vais d'abord finir sur le bon arbre. Je vais sauter même les qualités. Amen. L'arbre de la promesse, l'arbre c'est la promesse. C'est le lieu de révélation, le lieu de grandeur et de puissance, parce qu'Abraham deviendra certainement une grande nation, grande et puissante. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui Israël, qui va s'amuser avec Israël? Même comme dans Israël, il y a ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas. Dans Israël en ce moment, il y a ceux qui se disent juifs, mais ils ne le sont pas en réalité. Mais parce que c'est Israël, alors personne ne peut rien. Amen. La descendance d'Abraham.
Verset 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Amen. 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 Les héritiers d'Abraham ne sont pas les héritiers de la chair. Les héritiers d'Abraham sont les héritiers de l'esprit. Amen. En Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous a enseigné. Amen. Tu es descendant d'Abraham. Tu es descendante d'Abraham. Mais pour que le Seigneur accomplisse les promesses qu'il t'avait faites, tu dois pratiquer la droiture et la justice. Pour que le Seigneur puisse accomplir les faveurs de l'héritage qu'il y a pour toi sous l'arbre qui est Jésus. Amen. 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 Bien aimé, là est aussi le lieu de la négociation. En Europe, ce sont des habitudes qu'on ne voit plus. Mais en Afrique, quand les anciens veulent négocier, quand on veut parler du mariage, quand on veut parler de la vente de terrain, quand on veut parler de la vente des bœufs, des animaux, ils vont s'asseoir où? Sous l'arbre. Et ils négocient. Et ils causent. C'est aussi pour ça qu'au moment où le terrain s'en va, il dit à Abraham, je ne vais pas cacher à Abraham ce que je m'en vais faire à Sodome et Gomorre. Et Abraham dit, oh Seigneur, tu allais détruire, si tu trouvais 50 justes, tu ne détruirais pas. Et si tu trouvais 30, tu ne détruirais pas. Si tu trouvais 20, tu ne détruirais pas. C'était le lieu de négociation. Venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs. Le lieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Jésus a payé le prix. Jésus-Christ, l'arbre, notre arbre de vie a tout accompli pour nous. Viens sous l'arbre et plaide ta cause. Défends ta cause. Oui, j'ai péché, mais ça c'était avant. J'accepte, mais ça c'était avant. Car l'accusateur de nos frères a été précipité. Je ne suis plus là-bas. Je suis maintenant sous l'arbre. Même en justice, on laisse le coupable plaider. Et parfois tu es coupable, le juge dit non. Il y a des circonstances atténuantes. C'est pour ça que le Seigneur dit, plaide pour nous au Père du Père. Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de vertus de l'arbre. Les arbres, l'arbre est la symbolique de beaucoup de grandes choses. Mais allons voir aussi dans Daniel, chapitre 4. On va faire courir la sainte doctrine. Amen, amen. Le premier qui arrive dans Daniel fait la lecture. Mais il faudra bien attendre les autres aussi. Amen. Daniel au chapitre 4. Du verset 10. C'est vrai que la lecture, si on commence à tout lire, c'est l'histoire de Nebuchadnezzar qui a vu en songe un grand arbre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut commencer à lire au verset 10? Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Reste concentré. Gloire à Jésus. Daniel 4, à partir du verset 10. Tu continues, tu fais la lecture rapidement. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit, que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi,
Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessus et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Amen. Amen. Maintenant, va au verset 20. Maintenant, Daniel est appelé parce que toutes les personnes qui interprétaient les 10 heures de bonne nouvelle, tous ceux qui pouvaient interpréter le rêve n'ont pas pu. Daniel est arrivé pour interpréter le rêve. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que là, il a vu quelque chose en songe. C'était un arbre. Il a vu un arbre. Amen. Verset 20. Verset 20. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort. Amen. Arrête-toi d'abord. L'arbre, c'est le symbole de la grandeur, de la puissance de Nebuchadnezzar. Nous l'avons dit tout à l'heure. Amen. Continue. Et c'est dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Verset 24. Amen. Bien-aimé, le verdict était tombé. Arrête-toi d'abord, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Tiens le micro, assieds-toi. Nous voyons aussi que l'arbre symbolise, comme je l'ai dit quelques temps avant, la puissance, la grandeur. Mais l'arbre peut aussi symboliser l'orgueil, la suffisance, la vanité. Amen. L'arbre qui est Jésus n'est pas dans ces choses. Quel est l'arbre qui est planté dans ta vie? Quel est l'arbre qui grandit en toi? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'arbre de vie, portant les fruits de l'esprit? Ou est-ce que c'est l'arbre qu'a vu Nebuchadnezzar à cause de ce que Dieu l'a béni? Il est devenu dominateur. Il est devenu orgueilleux. Il est devenu vaniteux. Il est devenu suffisant. Mais afin que Nebuchadnezzar sache que c'est l'Éternel qui élève et qui rabaisse, les veilleurs ont dit, abattez l'arbre. Donnez-lui un cœur d'animal. Il va pleuvoir sur lui. Il va connaître la souffrance physique. Il va connaître l'humiliation. Afin qu'il s'humilie. Et qu'il reconnaisse que moi, l'Éternel, je suis le seul véritable Dieu. Je règne sur les animaux. Je règne sur les humains. Je règne sur les esprits. Amen. 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 Jésus-Christ, notre arbre de vie. Jésus-Christ est-il l'arbre de ta vie pour que tu produises les bons fruits? C'est pour ça aussi que le Seigneur a mis devant l'homme l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Adam et Ève avait reçu cette parole-là. Nous aussi, nous la recevons tous les jours. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, mais dans la vérité, dans la sincérité, dans la pureté de cœur. Le dépouillement que nous prêchons n'est pas seulement le dépouillement des vêtements, des marques que nous appelons marques sataniques. C'est le dépouillement aussi de l'esprit. Un esprit pur, un esprit saint, dans un corps saint. Amen. L'arbre qui était dans Nebuchadnezzar, c'était un arbre d'orgueil.
Est-ce que tu es dans l'arbre de la désobéissance, de l'insoumission, de la rébellion, de l'impudicité, du mensonge? Je vais te dire que ce n'est pas l'arbre de Jésus. Tu n'es pas sous Jésus. Si tu ressens encore ce type de fruits-là, le Seigneur Jésus ne produit pas ces fruits-là. Amen. Bien-aimés, nous voyons que nous avons l'arbre de la connaissance, que nous devons fuir pour aller nous abriter sous l'ombre de l'arbre de vie. Quand tu regardes un arbre, dans Apocalypse chapitre 22, verset 2, on nous dit qu'il produit des fruits 12 fois et son feuillage servait à la guérison des nations. L'arbre aussi, il y a des feuilles d'arbre qu'on mange. Amen. Les feuilles d'arbre qui sont thérapeutiques, même les pharmaciens utilisent d'ailleurs. Le principe actif des médicaments vient des plantes. Il y a l'écorce de l'arbre qu'on coupe pour faire des fusions. Et même le livre que je tiens a été fait par le bois. Et même ma maman en Afrique, quand elle veut faire la cuisine, elle fend le bois et elle fait le repas. Amen. L'arbre de vie. L'arbre à la vie. Jésus est l'arbre de vie de tout chrétien. Amen. Laisse pousser le Christ en toi. Amen. Bien-aimé, tout ce que j'ai développé, je vais m'arrêter là à cause du temps. Vous voyez que j'ai encore des petites feuilles. Le temps ne le permet pas. Amen. Amen. Nous allons donc relire notre passage. Apocalypse 22, verset 2. J'ai failli te dire, pendant que tu vas dans Apocalypse 2, verset 2, Apocalypse 22, verset 2, pardon. J'ai failli te rappeler quand même que sachez, parce qu'il était de petite taille, il est monté sur l'arbre pour voir qui passait. C'était un acte d'humilité. C'est un acte de reconnaissance que je suis faible. J'ai besoin de grandir. Et celui qui me fait grandir pour voir le salut, pour voir la vie éternelle, c'est Jésus. Je monte sur Jésus. Amen. Zachée est monté sur le Christ. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Zachée, descends. Je souperai chez toi ce soir. Amen. Et le Seigneur dit que si tu ouvres ton cœur, j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. On peut acclamer tout le Seigneur. Le Seigneur avait soupé avec Zachée. Qui est monté sur l'arbre. Et le Dieu qui voit toutes choses, qui voit le secret de l'âme qui pousse en toi, viendra souper avec toi. Amen. Et il va se laisser fendre pour être la chaleur qui va te réchauffer. Amen. Je vais essayer de rappeler quelqu'un d'autre. Amen. Il n'y a pas que Zachée qui a expérimenté Nathanaël. Amen. Lorsque Nathanaël qui doutait, on lui a dit, on a trouvé le Christ. Il dit, mais peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bien? Et quand le Seigneur le voit, il dit, voici enfin quelqu'un sur qui il n'y a point de fraude. Il dit, mais comment le connais-tu? Quand tu étais sous, je te voyais. Amen. Alléluia. Amen. Jésus te voit. Caché sous le secret de l'arbre, le secret de lui-même, tu le cherches. Tu le cherches en esprit, en vérité, comme Nathanaël. En Nathanaël, il y avait point de faute. C'est pour ça que si tu es un fraudeur, l'arbre sous lequel tu es, ce n'est pas le Christ. En vérité, quels que soient les signes que tu peux voir, non, je parle en langue. Non, quand je prie, le malade est guéri. Quand je fais ça, bien-aimé, tu continues à frauder là. Tu fraudes les transports en commun. Ce n'est pas Jésus, hein. C'est pour ça aussi qu'il dira, en ce temps-là, il me dira, n'avons-nous pas intercédé? N'avons-nous pas chassé les démons? En ton nom. N'avons-nous pas, en ton nom, j'ai donné mes dîmes tous les mois. En ton nom. J'étais intercesseur. J'étais chantre. Et il te dira, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'en réalité, tu n'étais pas sous moi. Mais Nathanaël n'avait pas de faute. Il ne fondait pas. Et le Seigneur l'avait vu sous l'olivier. Amen. Amen. Je prie que le Seigneur te voie sous l'olivier. Amen. Lui qui est l'arbre. Amen. Amen.
Lisons donc ce dernier passage. Amen, amen. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Il n'y avait pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on ne parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que dans le livre de Genèse. Mais quand le second Adam est venu, il a renversé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que dans le royaume des cieux, il n'y aura que l'arbre de vie au milieu de la place. Et il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le fruit servait à la guérison des nations. Amen. Jésus-Christ va guérir cette blessure qui était en toi. Il a déjà guéri. Jésus qui doit guérir la frustration. Jésus qui doit guérir la désespérance. Jésus qui doit guérir. Tu te sens isolé, tu te sens rejeté et tu es meurtri à l'intérieur de toi. Le Christ, par les feuilles de l'arbre qu'il produit, va guérir ton cœur. Ce n'est pas que la guérison spirituelle, c'est aussi la guérison physique. Amen. Tu as écouté le témoignage de l'ancien. Parce que quand nous on prie au nom de Jésus, le malade guérit. Amen, amen. Amen. Il faut prendre le Seigneur au pied de la lettre. Seigneur, je tiens la branche d'un mentier. Tu as dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et tu as dit, quand vous imposerez les mains sur les malades, ils guériront. Au nom de Jésus-Christ. Maladie sort, démon sort, et cela s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Nous avons des témoignages tous les jours, oui ou non? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer tout l'arbre de vie? Jésus-Christ est l'arbre de vie. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer véritablement? Est-ce que tu peux acclamer véritablement? Est-ce que tu peux véritablement acclamer? L'arbre de vie et non l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu as prié maintenant. J'ai écouté notre exhortation à cause du temps. Tu as dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Laisse-moi terminer. Il te donne le sujet. Amen. Tu vas demander au Seigneur Jésus de croître en toi. Que l'arbre là qui a semé en toi, que cette graine grandisse, croisse et produise des fruits. Et là où l'arbre de vie germe, aucun autre arbre ne peut germer à cette place. Lève ta voix maintenant et dis Seigneur, tu es mon arbre de vie. Je veux que tu croisses à moi. Je veux que tu grandisses à moi. Et que tous les mois tu produis des fruits. Je veux que les fruits là soient profitables à mon prochain, soient profitables à l'église. Prie au nom de Jésus. Prie maintenant. Seigneur, ton église tient en main la branche d'amandier. Tu as dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie a dit, je vois la branche d'amandier. Tu lui as dit, oui, tu vois juste. Je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Seigneur Jésus, viens, viens dans ma vie. Toi qui es l'arbre de ma vie. Je veux que tu grandisses. Je veux que tu croisses. Je veux que tu remplisses à moi. Je veux que tu remplisses à moi. Et je veux que les fruits que je produis, que ces fruits-là, Seigneur Jésus, soient profitables pour l'évangile. Sois profitable pour la venue de Jésus. Sois profitable pour la vie de mon mari, pour la vie de mon épouse, pour la vie de mon enfant. Seigneur, grandis, grandis, grandis. Grandis, grandis, grandis. Oh Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Détruis l'arbre de la peur. Détruis l'arbre de la peur. Détruis l'arbre du doute. Détruis l'arbre du doute. Oh, je veux que l'arbre de vie grandisse. Prie, 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 prie. Prie, prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui tient à sa parole.
Tu es le Dieu qui veille à sa parole. Seigneur Jésus, tu as dit dans cette église. Sois au milieu de l'église. Sois au milieu de la communauté. Sois au milieu de la communauté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit dans cette communauté. Nous voulons voir le fruit. Nous voulons voir le fruit tous les mois. Tous les mois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons voir le fruit. Oh Seigneur, grandis. Grandis dans cette église. Grandis dans la vie de chacun et de chacune. Et l'esprit, prie. Que l'arbre de vie grandisse. Que l'arbre de vie s'emploie dans ta vie. L'arbre de vie. Oh Seigneur, grandis à moi. Grandis à toi. Grandis à moi. Grandis. Grandis au milieu de cette communauté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On nous dit que la veille que l'arbre de vie produit servait à la guérison des nations. Mais je vais te dire qu'il n'y a pas que ces feuilles-là. Parce que moi, là où j'ai grandi, je voyais qu'on taillait aussi les écorces et ça servait à la guérison. Je voyais que même les racines de l'arbre servent à la guérison. Bien-aimé, est-ce qu'il y a une partie de ta vie dont tu veux la guérison aujourd'hui? Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas prier maintenant. Seigneur, je mange en esprit les feuilles de ton arbre. Je mange en esprit. Je coupe les écorces. Seigneur, et je les consomme pour la guérison. Tu vas dire, là où tu veux que la guérison se produise, au nom de Jésus, ça va se produire. Amen. Puis maintenant, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Puis, Seigneur Jésus, je tiens en main. Je tiens en main. La branche d'Amandier. Je vais te rappeler que tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera. Éternel des armées, parce que tu l'as dit, tu as dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ta parole a dit tout ce que vous demanderez. Maintenant, au nom puissant de Jésus, que la guérison se produise maintenant. Que dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, comme maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la puissance du Saint-Esprit se produise. Maintenant, tu es l'arbre de vie. Tu es l'arbre de vie. Tu es l'arbre de vie. Je mange les feuilles. Je mange les feuilles. Seigneur, opère la guérison. La guérison spirituelle. Je ne veux plus avoir la peur. Je veux proclamer l'évangile avec hardiesse. Même devant les rois, même devant les présidents, même devant les ministres, même devant les intellectuels de ce monde. Donne-moi en l'air, guéris mon frère, guéris ma soeur. Prie au nom de Jésus. Prie, Seigneur Jésus. Je veux la guérison. Je veux la guérison de mon épouse, de mes enfants. Là où il y a la maladie spirituelle, là où il y a la maladie sorcellerique, là où il y a la maladie, Seigneur, des liens familiaux, des malédictions familiales. Je prie maintenant, je mange pour ma famille les feuilles de l'arbre. Seigneur, que la guérison se produise maintenant. Que la guérison se produise maintenant. Dans la puissance du Saint-Esprit. Dans la puissance du Saint-Esprit. Dans la puissance du Saint-Esprit. Ce que tu as dit, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Là, c'est le lieu de la sécurité. Mais ta foi peut être en danger. Ton âme peut être en danger. Tu vas dire, Seigneur, je viens sous l'arbre. Parce que le soleil du monde est tellement chaud qu'il me réchauffe. Je risque de cuire. Ma foi est en danger. Je viens cacher mon esprit. Je viens cacher mon âme. Je viens cacher mon corps sous l'arbre pour le rafraîchissement. Maintenant, c'est pour la sécurité de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Va sous l'arbre. Prie maintenant au nom de Jésus. Tu vas sous l'arbre pour la sécurité de ta famille, pour la sécurité de ton épouse, de tes enfants, pour la sécurité de ton mari. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus,
Tu es l'arbre qui donne la sécurité. Quand tu es venu à la rencontre d'Abraham, Seigneur, vous êtes allé au repos. Oh Seigneur, je viens pour la sécurité de ma maison. Je viens pour la sécurité de mon épouse et de mes enfants. Nous venons nous reposer sur l'arbre. Oh Seigneur, je prie pour la sécurité de tes enfants, des bergers, des bergères, de tous tes enfants, Seigneur. Je viens pour la sécurité des brebis. Nous venons, Seigneur, sous l'ombre. Nous venons pour le rafraîchissement de l'esprit de l'âme et du corps. Oh Seigneur, que ton âme, que tes branches nous couvrent, que tes branches nous couvrent. Seigneur Jésus, que tes branches nous couvrent, que tes branches nous couvrent. Oh Seigneur, couvre-nous. Nous voulons le rafraîchissement. Le rafraîchissement. Le rafraîchissement. Le rafraîchissement. Le rafraîchissement. Le rafraîchissement. Oh Seigneur, rafraîchis. Oh Seigneur, rafraîchis. Rafraîchis, Seigneur. Apporte le rafraîchissement. Apporte le rafraîchissement. Apporte le rafraîchissement. Pour que nous soyons sous l'ombre. Sous l'ombre de l'arbre qui est Christ. C'est Christ que nous sommes. Oui, c'est Christ, Christ, Christ. Prie. Tu ne peux pas marcher si tu n'as pas le discernement. Et c'est le Saint-Esprit qui donne ces choses. Tu vas dire, Seigneur, de même que tu as révélé à Abraham ce que tu allais faire, révèle-moi aussi ce qui se joue dans ma vie. Montre-moi comment je dois marcher en tant que chrétien. Montre-moi, prie maintenant au nom de Jésus. Prie, 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 prie. La révélation. La révélation, Seigneur, nous prions pour cette église. Je prie que tu mettes, Seigneur, que l'esprit de révélation, nous voulons avoir les prophètes. Seigneur, je prie pour la vie du prophète Daniel, afin que l'esprit de prophétie descende sur lui. Afin que l'esprit de prophétie descende sur lui. Nous voulons avoir les révélations. Nous voulons avoir une église de révélation. Je prie pour qu'il y ait des prophétesses, des prophétesses, des prophétesses, des prophétesses, au nom de Jésus. Je prie maintenant. L'esprit de prophétie maintenant. Que l'esprit de prophétie descende maintenant. Au nom de Jésus Christ, l'esprit de prophétie maintenant. Il y a la prophétesse ici maintenant. Seigneur, je prie. Je tiens la branche et la moitié. Que l'esprit de prophétie descende maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie que l'esprit de révélation descendre. L'esprit de révélation. Oh Seigneur, je prie maintenant. Je prie maintenant pour Daniel. Que l'esprit de prophétie descende. Que l'esprit de prophétie descende sur toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour Jésus. Acclame pour l'arbre de vie. Acclame, acclame. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Où est la victoire? Je veux le cri de victoire. Je veux le chant de victoire. Je veux le chant de guérison. Nous avons la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire. Oh, oh, oh. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la victoire, nous avons la victoire.
Seulement. Ça secoue là-bas. Ils sont mal. Ils se bouchent les oreilles. Mais ils vont toujours entendre Jésus. Et nous ici, nous savons que quand nous disons Jésus là, on voit comment les esprits, ça ne va pas. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous allons proclamer Jésus toujours et toujours. Amen. Bien-aimés, je voudrais demander aux personnes qui sont passées aux eaux du baptême de se lever. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de maman Maria? Pour la vie de papa Emmanuel? Pour la vie de la sœur Lydie? Que le Seigneur te bénisse. Le frère Daniel. Amen, amen. Amen, amen. Bébé, tu vas prier maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que le combat, c'est depuis qu'ils ont accepté Jésus maintenant que la marche chrétienne commence. Car ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Amen. Si tu ne mets deux d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, hier matin, le Seigneur a écrit les noms de 5 personnes encore. Et comme la Bible dit, tous les jours, il ajoutait ceux qui étaient sauvés dans le livre de vie. Amen. Frère Daniel, reste debout. Pourquoi tu veux te cacher? Amen. Amen, amen. Le Seigneur l'a baptisé Daniel à la veille de prière. Vous n'appelez plus pas l'ancien nom là. Amen. C'est le frère Daniel. Et la sœur Lydie. Amen, amen. Vous n'appelez plus pas l'ancien nom. Amen. Parce que les identités ont changé sur le plan spirituel. Bien-aimés, nous allons acclamer le Seigneur pour leur vie. Parce que c'est le Seigneur seul qui fait ces choses. Et nous allons nous lever maintenant. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour eux pour leur faire toutes sortes de bénédictions sur leur vie. Bien-aimés, tu vas proclamer maintenant que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur leur tient la main. Qu'ils ne s'éloignent pas sous l'arbre de vie qui est le Christ. Prie au nom de Jésus.
Seigneur Jésus, grand roi. C'est toi le grand pasteur des brebis. Nous te rendons grâce et gloire parce que tu as amené à toi cette armée. S'ils sont passés par les autres baptêmes hier, Seigneur, nous prions de la même manière que tu as prié pour nous, Père du Père. Nous prions aussi pour eux, afin qu'ils ne se détachent point, qu'ils ne s'éloignent pour l'arbre de vie, qui est le Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions pour leur sécurité. Que leur sécurité, Seigneur, soit toujours sous l'arbre de vie. Qui soit toujours sous l'arbre de vie. Qui ne s'éloigne point de l'arbre de vie. Oh Seigneur, je prie pour papa et ma mère. Je prie pour maman Maria, je prie pour le frère Daniel, je prie pour la sœur Lydie, je prie pour la sœur Patrice, pour le Seigneur Jésus, par ta grâce, garde-le toujours à côté de toi, à côté de toi, sous la chaleur du Saint-Esprit, sous la chaleur de ton soleil, sous la sécurité de l'arbre. Nous te le recommandons, Seigneur. Reviens tes enfants. Oui, Seigneur, nous te recommandons leur vie. Sois avec eux, Seigneur. Ne les laisse pas tomber. Car aujourd'hui, il est le même temps où il a blessé de la vie. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas aussi prier pour toi-même maintenant. Parce que toi aussi, tu ne dois pas t'éloigner de l'arbre. Tu dois être toujours à côté de l'arbre. Tu dois renouveler ton appartenance. Amen. Tu dois renouveler que tu appartiens. Tu es des brebis qui sont sous l'arbre. Et le berger va toujours sous l'arbre avec les brebis, au repos. Tu vas prier maintenant pour ta vie. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie aussi pour moi-même. Afin qu'ayant prêché aux autres, que je ne perde pas l'élection. Seigneur, je suis comme l'apôtre Paul. Je prie que moi, je ne perde pas l'élection. Ayant fait tout le travail que nous faisons. Oh Seigneur Jésus, je ne peux pas le déléguer. Seigneur, change-moi, je suis aussi une brebis. Je suis aussi une brebis. Oh Seigneur, je t'en supplie. Garde-moi la foi. Que je sois toujours sous l'arbre. La foi. Car c'est toi, Seigneur. Il fait vrai. Car c'est toi, Seigneur. Il y a la sécurité. Il y a la santé spirituelle et physique. Oh, je prie pour moi, Seigneur. Je prie pour ma vie. Je prie pour la vie. Prie pour la vie de tes enfants. Prie pour la vie de ton mari. Prie pour la vie de ton épouse. Prie pour la vie de l'église. Oh Seigneur, je prie pour l'église. Je prie pour l'église. Je prie pour l'église. Je prie pour l'église. Seigneur Jésus, garde-nous. Préserve-nous. Oh Seigneur, préserve-nous. Garde-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer? Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Je veux seulement te rappeler que le 27 septembre 2023, nous étions en train de passer un culte en plein air à Domont. Et nous sommes aujourd'hui le 28 septembre 2024. Amen, amen. Bien-aimé, le petit nombre a traversé, est sorti de l'Égypte, a traversé. Pendant un an, nous sommes allés à Domont, ayant payé, on nous a quand même fait faire le culte en plein air. Et nous étions tous joyeux. Amen. Amen. Donc ça fait un an que nous nous retrouvons dans une communauté sous un toit. Et le Seigneur a toujours été avec nous. Acclamons pour le berger. Le grand pasteur de brebis est toujours avec nous. Mais Seigneur, ne vous souciez pas du nombre. C'est la qualité. C'est la sincérité. Et aussi longtemps que le Seigneur sera avec nous, nous allons continuer la marche. Amen. Et les brebis vont nous rejoindre au fur et à mesure. Amen. Amen, amen. Acclame encore. Salutaire comme moi. Notre Dieu est vivant. Amen. On devrait nous virer de Domont. On devrait nous virer de le dimanche qui suivait, on ne devrait pas avoir culte. Le Seigneur nous a inspiré de prendre la salle de Venise Saint-Georges. Sinon, on serait resté de bon, on ne devait pas nous virer parce que ce n'est pas de notre faute. Ils nous doivent encore l'argent jusqu'aujourd'hui.
C'est parce que l'homme a fini de nous rembourser. La salle n'était pas au nord. Donc, on va faire tout de suite. Acclamons encore pour Jésus. Amen, 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 amen.